fête commence. Faites place, pardon. Faites place, pardon. Vous avez regardé la marmite? C'est un test. Hein, y a un... Oh, c'est... Ah, vous faites du plomb? Ah oui. De l'étain et du plomb, ça fait du... Quoi? Ah d'accord. Ah bon? Ah ouais, d'accord. Allez-y, allez-y. J'ai 20 mois avec vous. Donc votre nom, Hubert. Oui, parce que vous prenez la passerelle, mais la passerelle, on ne la prend pas à cheval, c'est pour ça qu'on fait le grand tour. Mais c'est ça. Super ça. Oui, tu voudrais prendre des photos de toi, mais il faudrait que tu sois en équipe sur le morceau de bois. Oui, tu tombes dessus pour jouer. Ah, ouais, génial, parfait. Mais oui, allez, c'est de la branche. Oh. Et voilà le roi et la reine. Il tourne pas, hein. Il tourne pas. Attention.
qu'à une autre place. Et veillez à ce que vos hommes soient en armes lorsque vous vous dispersez. Par contre, sergent, restez là. Est-ce que l'aubergine voulait voir l'armée? Votre tavernier, en fait, a soumis en fait un petit problème avec cet individu. Et jusqu'à la fin du 15e, après, elle est supplantée par tout ce qui fait des gros boom. Ah oui, forcément. Mais bon, c'est Henri IV qui dit sur le champ de bataille, on arrête parce que c'est un peu périmé. Ah, ah bon? Mais c'est pas, non. Non, c'est un truc qui se boit. C'est pas mauvais, c'est pas mauvais. Non, mais il n'y a pas de danger. Il veut pas que tu l'accompagnes, c'est ça. Tu attends un petit peu, tu les laisses se calmer. Et puis dès qu'elle bouge pas, bah, tu avances gentiment ta main. Comme ça, tu attends, tu avances et tu poses tout doucement. Tiens, regarde, pose sur les fesses de celle-ci. Ils ont l'air fatigués. Voilà. Elles ont chaud, je pense, comme ça. Oui, elles ont chaud. En comme plus, ouais, aussi en plus. Mais là, ils sont bien. Vous dansez? Non, elle danse pas. Je croyais qu'elle allait danser. Mais... Est-ce que elle est bien jeune. Copie le matériel. Un paquet de flèches là, dis donc. Doivent se dire pourquoi il y a tant de monde que ça. Ouais, fallait pas dire mon nom. Petit sabot. Le but de la guerre, ce n'est pas de tuer des gens. Contrairement à ce que tout le monde pense. Alors certes, les fantassins, on s'en fout un peu, mais par contre, pour les nobles, c'est plus de les rentrer. Vraiment, ça avait une utilité, ça, quoi. Sur les ponts qui étaient grésés au fel. Et... On va chercher passe-partout. Toum, 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 toum. C'est fermé. Tu la bêtes, tu la bêtes. En fait, il y a écrit à l'envers. C'est le miroir, c'est le texte. Il a été retourné. Réfléchis, réfléchis. S'il commence par là, en le retournant, il commencera par là. Tu vas le lire. Non, non, non. Réfléchis. Il faut que tu le lises. Il faut que tu le lises de par là. Elle a pas dit. Non, tu peux prendre un, tu peux prendre et soulever hein, si tu peux le bouger, si c'est plus facile pour toi. Eh oui, il écrivait à l'envers cet homme-là. Sinon, tu peux le mettre, regarde. Oui, mets-toi sur le côté, mets-toi par là et regarde là en face. Regarde sur le miroir, qu'est-ce que tu arrives à voir? Non, c'est ensuite. Je. Oui. T'as compris? Je te laisse manipuler le miroir, je te laisse faire. Vas-y. Ah, elle va le faire avec son papa. On est.
n'est pas assez puissant pour pouvoir s'élever. Donc, voilà, c'était une idée, mais malheureusement, ce n'est pas possible. Mmh. Ici, c'est une, on a essayé de refaire la chinoise, quelque chose d'actuel. C'est une invention de Léonard. Parachute. Le parachute, exactement. Et alors, quelque part, il y a un deuxième chiffre qui est caché. Alors, tu peux prendre les pièces, les manipuler, regarder partout. Le parachute, tu peux le prendre aussi, tu peux le manipuler, tu peux essayer de le faire voler si tu veux. Et pour chercher ce deuxième chiffre, il faut que tu cherches. D'accord, le découvrir. Bon, bah là-dessus, il n'y a pas grand-chose à faire. Pose-le, je vais te montrer. Tu trouves le chiffre. C'est très vite construit, parce que c'est juste ça. Mm-hmm. Hop, voilà. Tu mets l'autre aile à côté, et ça y est. Ça alors, ressemble bon, à nous. Voilà, il y avait des petites pattes. Attention, la gendarmerie, les gendarmes ne sont pas loin. Les gendarmes, je l'ai bien dit. Là, ça sent bon, j'adore cette odeur. Ça sent bon, ça me rappelle autre chose. Permet d'avoir différentes utilisations. Celui qu'Yannick utilise en petite étoupe là pour compléter sa braise, c'est du ganoderme, ça ressemble. Hein, finalement. Ça c'est ce qui a été utilisé quand tu nous as vu. Ici il y a vraiment une couleur chocolat. Bon, il a une qualité moindre, on n'arrivera jamais à avoir un lustre comme ça avec ça. Merci. Une bouteille en moins. Non, normalement. Ouais. C'est pas plus évident. Quand nous avons fait le petit on était un peu dans l'idée du carré. Ah, le roi Arthur n'a pas réussi. Ah là là là, aïe aïe aïe, c'est dur. Dire que son royaume repose. Ah, quand juste avant il a réussi à faire Léonard, là Léonard, il t'a réinspiré. Ah voilà, il a dit voilà. Encore un et tu sauves ton royaume. Tu fasses, voilà, il faut que tu le fasses dernier, avec légèreté. Oui, oui, t'as réussi. Attention, suspense. Il n'y a personne qui fait le suspense là, non, mais ça va, je ne cherche pas, restez. Je ne peux pas le tambour, hein, il est mal fait. Et maintenant, vous allez pouvoir tirer le gabarit. Il y en a deux qui tirent en bas et un qui tire en haut. Et on fait glisser le gabarit avec délicatesse. Et là, on applaudit le petit bas. Bravo! C'est pas tombé. Alors ça leur vaut minimum une très grosse glace quand même. Parce que, ils ont bien bossé quand même. Là c'est très grosse glace. Alors. Oui, c'est mieux, ça parle. C'est plus vivant. Alors, le cheval, il s'appelle comment? Passez-nous et passons. Ah, vous savez les noms? C'est à vous, non? C'est au patron. Au patron, les chevaux du patron. Voilà. Ça, c'est de la belle bête. Hein. C'est de la belle bête. Oh, le patron est fatigué. Vous faites quoi là? Vous faites la navette, hein, c'est ça? C'est une navette. Hein. Jusqu'à où? Au Polé? Non? Au collège. Ah, au Polé, je crois que vous avez dit au Polé. Non, au Polé. Polé à Dieppe. Non, quand même pas. Pardon.
Caresse le cheval. Il s'appelle, je sais plus, j'ai déjà oublié. Quand j'avais 16 et 17 ans, j'ai eu un correspondant. Cervantes. Don Quichotte. Elle est pas belle, la vie. Vraiment. Et Nolia, s'il te plaît, Nolia, j'ai fait une connerie, tu pourrais me refaire une annonce. Parce que là, je suis un peu emmerdé. Eh, Bertrand. Et tu peux me toucher si on peut laisser les flyers. Non, demande-lui, il est sympa, le chef, là. Je se foutrais, hein. Mais vous le faites à pied, vous? Oh, c'est fatigant à pied. Allez, sautez en voiture.